Merci, vraiment cette visite était très intéressante pour moi et j'étais ravi de t'accompagner sur le terrain. Alors qu'est-ce que tu penses avoir bien réussi? Bah écoute, moi aussi j'étais ravi de cette journée. Vraiment, c'était sympa d'être à deux et je trouve que c'est une journée qui s'est bien passée. Ouais, et alors bah écoute, il y a une chose que j'ai bien appréciée, que tu as vraiment bien réussi, je trouve, c'est de toujours ou maintenir une relation extraordinaire avec les clients, donc bravo, ou alors d'en créer une avec les prospects. Donc ça, c'était très bien. Vraiment, j'ai vraiment bien apprécié ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as trouvées bien dans ce que tu as fait? Oh bah écoute, je crois que je connais vraiment bien nos offres et que vraiment je suis capable d'en parler, bah comme tu le dis, hein, avec des gens que je connais comme avec des gens que je ne connais pas. Voilà, et ça, je trouve que je le fais vraiment bien. Eh oui. Et ça, c'est le deuxième point. C'est exactement ça vraiment que je voulais te faire. C'est vraiment bravo pour la connaissance des offres, leur présentation et la pédagogie autour des offres. Donc ça aussi, c'était vraiment très bien. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent ou tu pourrais faire de mieux? Ah, peut-être que avec certains, à force de leur présenter tout ce qu'on a à proposer, bon, peut-être que ça prend un peu beaucoup de temps. Ça, peut-être que je peux l'améliorer. Oui, exactement. Et qu'est-ce que tu pourrais faire en début de l'entretien justement pour mieux cibler ce que tu vas présenter ou ce que tu vas partager avec le client? Ouais, bah, peut-être à ce moment-là, leur poser des questions Eh pour oui. pouvoir trouver le bon angle, Ouais, quoi. c'est ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Et quel type de questions tu pourrais poser? Oh, des questions pour comprendre un peu mieux leurs soucis du moment. Eh oui. Eh oui, c'est ça, absolument. Leurs soucis du moment, quelles sont leurs préoccupations du moment? Bah, très bien. Donc du coup, ça te permettra de te recentrer ensuite. Est-ce que tu vois autre chose que tu pourrais faire de mieux? Bah, tu sais que j'aime à moitié faire les comptes rendus et là je me dis que pour certains, je sais pas vraiment ce que je vais mettre dedans quoi finalement. J'ai Absolument. beaucoup de choses mais bon. Et comme on l'a vu, c'est très important de faire des comptes rendus à la fin, et des comptes rendus notamment Ouais. participatifs avec le client. Et du coup, le mieux, c'est dans la conclusion, comme tu le dis, d'avoir un plan d'action précis qui va te permettre ensuite de le suivre et même idéalement qui est co-construit avec le client. Parce que si tu le co-construis avec le client, ça va te permettre d'avoir un client qui est beaucoup plus dans l'adhésion et dans l'exécution. D'accord. Eh bien, écoute, très bien. Moi, je te propose donc vraiment de continuer à être excellent sur la relation et la partie argumentation, présentation des services, et puis d'améliorer le questionnement, de poser des questions sur les préoccupations du client, d'avoir des vrais plans d'action à la fin. Et donc, on se revoit dans un mois. Ah bah écoute, avec plaisir. Très bien. Donc, tu vas pouvoir travailler ça. Et dans un mois, je compte sur toi pour vraiment avoir des super questions et une très bonne conclusion. Si jamais tu as besoin de moi dans l'intervalle, n'hésite absolument pas. Ouais, peut-être sur les comptes rendus quand même. Très bien. Merci Olivier.